C'est la dernière ligne droite en vue du 21 août. Le 21 août, ce sera le Chaux Lumet aux écuries de la Ridaudière de David Lumet. Et notre cheval fil rouge, imprévu du large, vient d'effectuer sa toute dernière séance d'obstacles. Comment ça s'est passé? Comment ça se présente? On va tout de suite prendre des nouvelles avec le Big Boss. Et alors ce matin, là, on est à 10 jours du show. Il a très bien sauté. Il a fait deux fois un tour et demi avec un petit canter avant. C'est déjà une bonne séance. On a vu, il n'a pas pris dur, il récupère vite, il a sauté très correctement. On est super satisfait. Il a suivi le programme qu'on espérait depuis le début. Il n'y a pas eu un couac, une santé de fer. Il est tout prêt maintenant. Comment tu l'as vu évoluer depuis qu'il est ici, mentalement, physiquement et aussi dans la manière dont il s'y prend? Alors plus on avance, forcément, plus il prend de gaz. Donc on y va vraiment tranquille parce qu'on sent que dès qu'on le pince un petit peu, eh ben, ça répond tout de suite. Donc on essaie un peu de l'endormir. Mais conditions physiques, le dos, les fessiers, tout ça, ça a bien pris de partout. Il va être archi prêt pour aller à l'entraînement, à la suivre, quoi. On a vu des 3 ans comme à Piroc, par exemple, sortir du Chaux Lumet et quelques mois après gagner. Comment on gère cette préparation un peu différente avec les 3 ans? C'est vrai que c'est complètement différent des 2 ans. Là, on fait vraiment du pré-entraînement. Ce cheval-là, il a quand même 8 mois facile de boulot derrière lui en 2 fois. Et le but, c'est derrière cette vente, quoi qu'il se passe, et qu'ils intègrent directement l'entraînement et qu'ils puissent aller aux courses relativement rapidement. Et alors là, c'était la dernière séance d'obstacles. Maintenant, on est, comme tu l'as dit, à une petite dizaine de jours du show. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour un prévu du large? Ben là, un jour sur deux, il va faire 1400 mètres sur la main. Petit canter, il sautera plus parce que voilà, le cheval est doué. Et puis on va essayer de l'amener comme ça, sans bobo, sans rien. On va gérer tout ça, comme les autres 3 ans d'ailleurs. On va essayer de les amener tout nickel pour dans 10 jours. Là, on va plus rien inventer, le boulot il est fait. On va maintenir le niveau et puis croiser les doigts pour que ça se passe bien. On croise les doigts nous aussi. Le Chaux Lumet, c'est le 21 août, c'est dans très bientôt. Et imprévu du large et fin prêt. Nous vous donnons rendez-vous aux écuries de la Ridaudière le 21 août pour le Chaux Lumet avec Arcana.